Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo tuto sur Monster Hunter Rise et le thème du jour, c'est exactement comme je l'avais promis dans ma précédente vidéo, à savoir comment débloquer de nouveaux talents de substitution, des nouvelles techniques pour vos armes, de nouveaux arts de soi, bref, vous appelez ça comme vous voulez. Il y aura bien évidemment d'autres vidéos tuto sur Monster Hunter Rise, donc n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche pour ne rien rater des vidéos qui vont arriver, sans oublier que ça nous soutient par la même occasion. Allez, sans plus tarder, on va s'attaquer au plat du jour. Et déjà, il faut savoir que les nouvelles attaques qui seront disponibles pour vos armes sont petit 1, pas données directement, donc on va les débloquer ensemble. Grand B, c'est pas uniquement des arts de soi ou autres types d'attaques qui utilisent des philoptères. Et de 5, il faudra quand même un tout petit peu avancer dans le jeu pour en débloquer plusieurs. Rassurez-vous, les premières attaques sont disponibles très rapidement dans le jeu. Et pour les débloquer, faites toutes les quêtes d'entraînement du village en parlant à Iona. Vous en avez 3 à faire, elles sont hyper simples. Une fois terminées, rendez-vous dans le grand camp et parlez au maître Utsushi pour récupérer vos premières nouvelles techniques pour toutes les armes. C'est vraiment tout bête, mais comme je sais que beaucoup de personnes ne feront jamais ces quêtes, car ils les ont spammées sur la démo, je pense que c'est bien de vous mettre au parfum sur quelle est la récompense quand on termine ces 3 quêtes-là. Pour vous équiper de votre nouvelle attaque, rendez-vous dans votre coffre dans l'onglet « Changer talent de substitution ». Vous allez voir, vous allez avoir une liste de techniques et vous ne pouvez pas faire n'importe quoi entre vos techniques quand vous aurez débloqué plusieurs nouvelles attaques. Il y a vraiment une attaque que vous pouvez changer pardon, pour une autre attaque. Vous ne pouvez pas faire n'importe quoi. Ok, second lot de nouvelles attaques et le défi se corse un petit peu. Déjà, il vous faudra passer le rang expert au grand camp, c'est-à-dire débloquer les quêtes 4 étoiles pour que Utsushi vous propose d'aller récupérer vos nouvelles récompenses. Mais cette fois, comme je vous l'ai dit, c'est un petit peu différent et il y aura malheureusement quelques jaloux. Donc, une fois les quêtes 4 étoiles en mode expert du grand camp débloquées, le maître vous proposera 4 quêtes pour maîtriser 4 nouvelles attaques pour 4 armes seulement. Il s'agit de l'épée du bouclier, de la corne de chasse, de la morpho-hache et du fusil arbalète léger. Quand vous passez au rang suivant, donc aux quêtes de 5 étoiles experts du grand camp, retournez lui parler pour maîtriser et apprendre des nouvelles techniques pour 5 nouvelles armes. Ici, on va trouver la grande épée, le marteau, la lance, la volte-hache et le fusil arbalète lourd. Pour le katana, les doubles lames, le lance-canon, l'arc et l'insecto-glaive, il faudra pour vous vous battre un petit peu plus et débloquer les quêtes 6 étoiles. Une fois ces quêtes terminées, vous n'avez pas besoin de retourner voir le maître, vos attaques se débloquent automatiquement à la fin de chaque quête. Chose importante, si vous êtes en mode expert et que Utsushi ne vous propose pas de quête, vous devez soit avancer dans la trame principale du village, soit battre le Magna Malo toujours via les quêtes du village et débloquer les premières techniques que j'ai citées au début de vidéo. Je pense qu'il existe un troisième lot de techniques, je suis vraiment sur une piste actuellement, mais dès que j'ai le bon chemin, je vous fais une vidéo sans exception. Dès que je trouve la solution, je vous mettrai le lien dans la description et une petite fiche en haut à droite au début de cette vidéo, dès que j'aurai la solution à vous proposer. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura aidé et si c'est le cas, pensez à liker, partager et me dire dans les commentaires surtout quel type d'arme et avec quel set de techniques vous aimez les jouer. Je vous retrouve très vite pour un nouveau tuto sur Monster Hunter Rise. Prenez soin de vous et à bientôt équipe. Ciao ciao !